19 ans et je viens du Luxembourg. La collection de Pharrell, j'adore. C'est des couleurs très d'été. Et ça se vend sur Jaël Curiel au Luxembourg aussi. J'ai adoré la collection et je pense que ça va bien se vendre. C'est facile à porter, hein? Ouais. Et les couleurs sont très flash. Ouais. Quelles sont les couleurs qui vous plaisent plus alors? Celle-là. C'était la couleur. J'avais l'honneur de pouvoir la porter et j'adore. Merci, c'est gentil. C'est pas ça? Au défilé Pharrell. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Enfin, vous connaissez pas. Génial. Je suis représentatrice de la marque pour le Benelux. Je suis très fière de pouvoir représenter Gora Vrian et bien sûr la marque Pharrell. C'est une marque géniale. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Ils vont innover, ils vont s'améliorer avec le temps. Je trouve qu'elle a des très, très belles idées. Après, c'est clair, il faut développer sur les années. Et c'est ce que je lui souhaite. Et aussi d'élargir sa gamme peut-être aux vêtements. Ça serait une bonne idée. Voilà. Moi, je suis Jaël Curiel. Je suis créatrice mode Luxembourg. À Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de fashion, mode, pas d'école de mode, pas de créateur. J'essaie de développer un concept qui fait aussi promouvoir le Luxembourg à l'étranger. Très important pour nous parce qu'on n'est pas forcément connu pour la mode. Donc j'ai fait venir aujourd'hui 3 mannequins, donc Sonia, Glaïs, Rachel et Sarah. J'espère qu'elles vous ont plu, mais je crois qu'elles ont fait le succès parce qu'elles ont très bien représenté le Luxembourg. Alors quand on est au Luxembourg, justement, on est influencé par la France ou par les pays du Benelux C'est très difficile à dire, dû à la mondialisation. Je ne crois pas qu'il y a une influence précise pour la France. C'est vrai qu'on est frontalier avec la France, mais je trouve que de nos jours, le Luxembourg, ce qu'il cherche, c'est un petit peu se différencier. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette marque, adaptée à la communauté luxembourgeoise et à d'autres communautés locales. Et surtout, la mode aujourd'hui, c'est plutôt s'adapter à la météo et pas à un pays. Donc c'est très, très spécial en ce moment. D'accord. Alors, collants aussi, c'est pareil, les tendances? Les collants, c'est vrai que Gore, il a lancé une marque de leggings qui était très flashy, très fashion. C'est très bien, mais c'est vrai que les collants basiques à Luxembourg, ça fonctionne très, très bien. Pourquoi? C'est facile parce qu'on est un pays un petit peu plus conservateur au niveau de la mode. On n'est pas encore vraiment développé. On n'est pas au Japon, on n'est pas en Angleterre où vraiment la mode, c'est quelque chose qu'on assume. Donc, par exemple, mon look d'aujourd'hui, je dis merci à Modnita, créateur luxembourgeois. C'est vrai qu'à Luxembourg, je ne pourrais pas le porter, par exemple. Je me sentirais un petit peu plus gênée. Tandis qu'à Paris, je crois que tout est permis. Et c'est ça qui est génial à Paris. Voilà, c'est ça. Alors là, on est dans la Fashion Week. Alors, vous allez suivre un peu les défilés parisiens? Je suis un petit peu les défilés parisiens. Mais c'est vrai que comme je suis créatrice, je m'intéresse beaucoup plus aux foires de tissus, aux nouveautés déjà pour 2016-2017. Parce que c'est vrai qu'on doit être un peu visionnaire dans ce domaine et déjà se développer sur des années en longueur. Donc, c'est vrai que la Fashion Week, on suit un petit peu. Mais ça, c'est des tendances. Voilà, on essaie de s'adapter plutôt au local. C'est ça qui va faire le succès de ma marque, c'est de m'adapter à la communauté luxembourgeoise et après, à long terme, l'européen. Mais toujours, chaque pays sa propre collection. Parce que je suis un petit peu contre cette mondialisation qui est partout maintenant. Si on veut vous suivre, vous avez un site internet? Bien sûr, j'ai un site, c'est www.jaelcuriel.com. Mais la meilleure chose, c'est la page officielle Facebook. Pourquoi? Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, c'est ça qui fait marcher. On est beaucoup plus actualisé. Même le défilé Pharrell, vous pouvez voir des photos, etc. Donc, je vous invite vraiment à liker la page Jaël Curiel, la page. Donc, pas la personne physique, parce que ça, c'est autre chose. Mais vraiment la page Jaël Curiel ou www.jaelcuriel.com. Merci beaucoup. Merci, moi. Bonne soirée.